À Café Philo hier soir, on a parlé de l'opposition entre science et technique. Mais je m'aperçois que finalement, les constitutions que nous mettons en place dans les différents pays relèvent de la technique. C'est une technique qui a un certain impact et auquel on croit, auquel on donne une certaine valeur. Ce n'est pas de la biotechnique. Au sens de l'astrologie telle que je la conçois, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire en nous, qui est ancré en nous, qui est gravé en nous. C'est plutôt au niveau du devoir, au niveau du mental. Donc c'est au niveau plutôt de l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance, paradoxalement. Donc, en fin de compte, la Constitution, c'est une ancienne alliance. L'astrologie, c'est la nouvelle alliance. L'astrologie, au sens où j'entends. Voilà le paradoxe. Et donc on a plusieurs degrés de technique. Et ce qui est intéressant, c'est que les différentes techniques peuvent se croiser, se juxtaposer dans le désordre total, alors que la biotechnologie exige quand même une cohérence plus importante, une organisation plus importante. Mais aujourd'hui, on peut dire que, de la même façon qu'il y a tous les satellites qui gravitent autour de la Terre et qui sont dans le désordre, eh bien, toutes ces constitutions que les uns et les autres fabriquent constituent évidemment un désordre qui gravite autour de nous, un désordre constitutionnel avec des calendriers différents d'un pays à l'autre, mais on est dans le domaine de la technique. Alors la différence, c'est qu'il y a des techniques qui n'existent que parce que l'on veut bien qu'elles existent, hein, sur les techniques comme la constitution, et puis des techniques qu'on peut corriger assez facilement pour changer de constitution, pour faire un amendement. Alors qu'il y a des techniques qui sont plus ancrées, ancrées dans notre mode de fonctionnement biologique et qui relèvent de la nécessité et non plus du devoir, devoir de voter, devoir de citoyen.